Eh bien, salut tout le monde, c'est Zenpil et aujourd'hui on se retrouve donc, et mince, j'ai raté mon intro mais c'est pas grave. Et hello gamers, c'est Zenpil et aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 4, excusez-moi, manqué de souffle. Et on se retrouve pour l'épisode 4 du coup de notre cher let's play sur Dragon Quest Heroes sur PS4. Alors oui, beaucoup de personnes vont dire oui mais le jeu il est censé, c'est risqué de faire le jeu et tout, tu risques de te le faire... supprimer ta chaîne et tout, je suis au courant, je prendrai ce risque. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que j'ai le droit, enfin, je pense qu'on a le droit de partager une expérience de jeu, mais aussi, tout simplement, de commenter un jeu qui a été créé donc par Square Enix. Et malgré ce qu'a fait le compositeur, hein, je ne suis pas du tout contre ses valeurs, hein, bien au contraire, mais... du coup, j'enlève la monétisation de ma chaîne YouTube. Comme ça, il n'y a plus de problème avec ce let's play. Alors, là, on peut acheter des orbes, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Hop. Ah bah attendez, on va l'acheter, on va voir un peu hein, quand même. Je vais regarder. Hop. Ok. Oui. Ok, bon, je sais pas à quoi ça sert. Alors, je vais voir si on peut en acheter plusieurs. Non, on peut pas. Donc, du coup, on va équiper Aurora. Je sais pas du tout à quoi ça sert. C'est pas grave, de toute façon, on a de l'argent. Autant en dépenser un maximum. On va mettre à Doric. Doric, il n'a pas énormément de... Alors, attendez. Hop. On va check ça. 20. Ok. Alors on en reprend une. En fait on va en mettre pour toute l'équipe hein, du coup. Donc du coup là nous sommes dans l'Aeroc. Et l'Aeroc qu'est-ce que c'est les amis? C'est l'île volante, l'île flottante de notre cher ami Isild. Voilà. Donc ça y est, nous nous sommes équipés de tout ça. Et c'est parti. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me veut lui? Ça va? Je vends des armes, des boucliers, que de la qualité. Vous voulez quoi? Alors, nous, ça tombe bien, il nous fallait une nouvelle épée. On va voir, on va prendre peut-être cette épée-là. Elle m'a l'air plutôt classe. Donc, on s'en équipe de suite. Ensuite, pour le reste, on pourrait prendre un gourdin à pic. On va prendre le gourdin à pic, il nous reste un peu d'argent, donc on va prendre ça. Allez, c'est parti. Et on va pas prendre de gantelets. Alors les gantelets du coup sont pour notre cher ami Alina. Et la lance bah, bien sûr pour Kirill. Ok. Bon on va pas les toucher parce qu'on connaît pas très bien encore leur jeu. Ensuite comment on fait pour savoir qui est-ce qui va jouer avec nous? Parlez. Bienvenue à bord, capitaine. Je suis le chercheur de l'ingéniosité, ou plus précisément, je l'étais. Maintenant, je suis membre de l'équipage de l'Aeroc. Je fais le tour du propriétaire. Ok. D'accord. Ok. Voilà, bah c'est là que je cherchais justement. Ok, et ça aussi, il fallait que je le prenne. Parce que je vais mettre Alina dans mon équipe. Alina qui m'a l'air d'être une fière battante. Donc, on va aller check ça. Donc là c'est là où on veut aller et c'est là où on va choisir nos amis. Yo. Oui ben laisse-moi rentrer, non? C'est pas là? Alors ça doit être celui-là. Je regarde pas très bien les portes, tiens donc. Coucou. Très bien, on peut rentrer par derrière, c'est cool. Hop. Allez, ouvrir, on va essayer que ça du coup. En fait c'est une style de guilde hein. Du coup c'est là où on regarde qui on veut ajouter dans notre équipe ou non. Alors réorganiser l'équipe. Du coup Isild, je suis désolé mais je vais devoir te remplacer par Alina. À moins que attends, parce que Alina, toi tu faisais beaucoup de magie d'après ce que j'ai compris. Bon c'est pas grave, on va tester comme ça. Hop. Et du coup c'est parti, on va partir en mission. Tu veux quoi toi? Mais c'est tous les mêmes.
D'accord, ok, donc non, ça c'est un peu useless, c'est pas grave. Allez, c'est parti, du coup, les amis, on va se retrouver pour partir à l'aventure, je ne sais où encore. Mais nous y allons, et c'est par ici. Affiche la carte du monde. Ok. Ah bon? T'es sérieux là, gros? Mais je vais me casser d'ici, moi. Je m'en fous du tour du proprio. Laisse-moi deviner. Faut parler à tout le monde, c'est ça? Un peu relou, hein. Bonjour, toi. Oui, toi, tu me fais les potions, logiquement. Ok. Ok. D'accord, donc je reçois une recette de l'anneau d'or rapide et un sac de clous de fer, deux pincées de sel de la terre. Ok. Eh ben écoute, on va tester ça, créer des accessoires, les amis. Yoitane. On va faire. Nani. Bon, on va faire. On va faire ça. Ah ok, donc j'ai de quoi en fait tout faire, j'ai l'impression. Oh, c'est sympa le système de mixage. Est-ce que ça a réussi? Oui, nous avons une chaîne en or. Congratulations. Hop, après ça je suppose qu'on peut le faire aussi, c'est ça? Vous voyez, on peut vraiment tout faire en fait. C'est plutôt cool. Bon voilà, on a un peu fait... Et voici le brassard d'or. Ok, très bien. On va check comment on s'en équipe, du coup. Attends, on va regarder. Bonjour, capitaine. Tu m'apportes des mini-médailles? Je l'espère sincèrement. Je suis plus en ce... D'accord, donc lui, en fait, il va nous... à nous récompenser en fonction des mini-médailles qu'on apporte. Et je crois que j'en ai. Alors. On peut échanger des mini-médailles contre ça. Ok. Intéressant. Ah d'accord. Ok. D'accord. Sympathique. C'est bon, c'est fini, je peux... Non. Bonjour. Ok. Livraison spéciale. Et j'ai reçu une carte dégloutante. Pas mal le jeu de mots. Ensuite... Hop. Ok. Très bien. Allez. Nos pires craintes semblent se confirmer. Ce phénomène touchant les monstres s'est bien répandu aux quatre coins du royaume. Mais pourquoi? Nous avons toujours vécu à leur côté et ils se mettent à nous attaquer où que nous allions? Et n'oublions pas qu'ils ne se contentent pas d'attaquer les gens. Leur objectif, à Mécalis, était le générateur. S'il s'agissait d'un saccage irréfléchi, ils n'auraient pas jeté leur dévolu sur une cible aussi stratégique. Cela semble donc indiquer que... Je vais résumer si ça te va. Tu veux dire que les monstres avaient un objectif précis en tête en nous attaquant, c'est ça? Oui. Ou alors, quelqu'un les contrôle à distance pour servir ses propres desseins. Dans tous les cas, c'est une nouvelle très alarmante. Nous devons à tout prix percer ces sombres mystères. Il nous faut élucider la raison de la folie des monstres et trouver, si besoin, le responsable de tout cela. Ok, c'est parti, Jamy. Là, cette fois, on peut l'utiliser, on peut le voir, elle est beaucoup plus jolie. Non, non, du tout. Mais je te fais caca dessus. Je veux voyager, I would like to voyager. Coucou. D'accord. On a des coffres au trésor qui nous appartiennent. Ah, là-bas. On va parler à notre chère amie Aurora. Il s'est passé tant de choses ces derniers temps que j'ai à peine eu le temps de réfléchir. Mais maintenant que nous sommes au grand air, tout me revient. Ce qui se passe est terrible, n'est-ce pas? Mais ça serait temps que tu t'en rendes compte, hein. Oui, c'est effectivement le cas. Hé, tu te rappelles de notre serment?
notre serment. Allez, ne dis pas que tu as oublié. Je te parle du serment que nous avons fait lorsque nous sommes tous deux devenus capitaines. Nous nous avons promis que nous ferions tout notre possible pour défendre notre monde. Ah, mais bien sûr. Comment ai-je pu l'oublier? Grrr, tu ne t'en rappelles pas du tout, hein? Peu. Puisque c'est ainsi, faisons-toi notre serment. Je jure solennellement que je mettrai un terme à tout cela et que je sauverai le monde entier du danger qui le menace. Je ne reculerai devant rien. Je ne me découragerai pas, quoi qu'il arrive. Alors, allez, jure-le. Très bien, je le jure. Très bien, je le jure. Toujours rien. Ah, attendez, moi je veux check ça. Il y a un peu... Nice. J'ai obtenu un silex. Vide. Tant pis. Coucou, coucou. Allez. Des ailes de papillon. 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 Bon. J'aimerais pouvoir me barrer d'ici. D'accord. Donc lui, en fait, il va nous dire en gros les faiblesses, patati patata. Et moi j'aimerais bien me barrer de là. Alors attendez, ici il y a un autre coffre. Parce que en fait un let's play c'est fait pour jouer et raconter et pas raconter sa vie, tout en cherchant des objets ou même visiter quelque chose. Mais plutôt, alors attendez, on va parler au gamin. Voilà, donc rien de spécial à prendre, ira voir Medi-6, le Medi-Gluant. Mais sinon, waouh. Je ne vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Hop. Et Sugoi. Oui. Mais oui, je le sais, ça y est, c'est fait. C'est bon, j'ai parlé à tout le monde. Tout le monde. Bonjour, toi. Je prends le coffre. Des sous, moi je prends. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Option. Nos héros ont rejoint... Il est temps de monter à bord... Ok. Et donc, attendez. On va aller dans le suivi de jeu. Non, pas là-dedans. Ah. Ah, ça y est! Ça y est! Ça y est! Enfin. Ça y est. Je vais pouvoir enfin jouer et faire quelque chose de bien. Enfin. J'en ai marre. C'est tout à fait ça. Ça n'augure rien de bon. Alors c'est décidé, votre majesté. Nous feriez-vous les honneurs? Mais bien sûr, moteur à plein régime, envolons-nous vers Colisée. Oh, joli. Oh, très sympa ça. Un gros grain de sable. Youpi, on va se retrouver à Alabasta. Pour s'y comprendre, mettez-le dans le commentaire. Chargement plutôt lent, c'est quoi cette histoire là? Moi je veux jouer. I would like to play. What the fuck? Ils sont pas gentils ou ils sont gentils eux? Mais si voilà, les portes de collège. Aucune trace de monstre dans le coin. Peut-être qu'ils ne seraient pas ici. Ok. On va se dépêcher d'anéantir tout ça. Parfaitement. Aucun d'entre eux ne doit atteindre les portes aux armes, camarades. Ouh. C'est parti. Mouvement entravé. NTM. Oh. Allez, on va tester du coup nos nouvelles armes. Et ouais. Medi-6 n'a aucun souci là-dedans. Mais c'est pas elle que je voulais.
C'était pas elle que je voulais jouer. Allez hop, on va lancer une petite lame infernale. C'est quoi cette histoire? Ah yes, un niveau supérieur. Hop. Et voilà, ça c'est fait. On termine ça comme ceci. Et voilà, le maestro monstre terminé. Et par contre... pour qu'on a Isilde, moi je voulais Aline, mais bon, c'est pas grave. Allez. Onegaishimasu. Hop. Hop. Hop, ça c'est fait. Ah. Ah bon, on est plein. Allez, viens. Comment je peux pas la récupérer? Je ne peux pas la récupérer. Oula, un golem. Les amis, il est temps de se dépêcher. Voyez-vous ce boss? Mini boss, hein. Allez, c'est parti les amis. On lui assène des dégâts. Hop, c'est parti. Oh, nice. Hop. Vite, 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 vite. Quickly, quickly, quickly. Quick. Quick, 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 quickly. Allez, on prend la pièce. Vous avez ramassé la médaille de Diablotin. Ok, très bien. On va avoir besoin de toi, Diablotin. Protège-nous. Protège cet endroit, s'il te plaît. Hop, c'est parti, les amis. On continue. Je sais pas pourquoi, mais je vois cette mission comme un pur échec. On va vite déblinguer ce Diablo monstre. Hop. Oh oui. Toi, on va aussi avoir besoin de toi, mec. Ah, j'ai ramassé la médaille d'un mort-vivant. Toi, je vais te garder, par contre. Vite, vite, vite. Hop. On va le mettre ici. Ok. Toi, maintenant, il faut qu'on te règle ton compte. Hop, c'est parti. Et on est avec le... comment ça s'appelle? Je crois qu'on a réussi. On a le... comment ça s'appelle? Alors, attendez. Hop. La tension au maximum. Hop. Du coup, on met masse combo afin de déchaîner notre tension sur les monstres. Voilà, hop, le maestro monstre terminé. Et on déglingue du coup tout le reste avec cette super attaque de tension. Voilà, Giga Break. Hop. Plus vite. Plus vite. Mais ils servent à rien ou c'est moi là? C'est quoi ces types là? Hop, ça c'est fait. Dernière vague, ok, donc ça fonctionne vraiment par vague, quoi. Alors, je surveille du coup la carte, hein, parce que une chose que je ne faisais pas et qu'il faut faire, c'est surveiller la carte, vraiment. On n'a pas d'amis encore, donc on n'a plus de nouvelles médailles. Assez triste, d'ailleurs. Faut que je surveille encore un tout petit peu. Alors là-bas on a une nouvelle médaille et du coup on va abandonner celui-là qui sert à rien. Et on va prendre du coup la médaille du marron sac. Qui va nous permettre du coup plusieurs choses. C'est-à-dire de récupérer nos PM pour commencer. Donc les PM, un point magique, si vous ne connaissez pas.
mouvement entravé, ouais. Pourquoi t'es gelé toi? Tant mieux, je vais pas m'en plaindre. Allez, c'est parti, terminé lui aussi. Alors, y aurait-il un maestro monstre? Non. Cependant, il va vraiment falloir qu'on se dépêche. Alors là, attendez, hop. Lui, il doit prendre beaucoup de place, à mon avis. Le golem, il prend 2 ou 3 places, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le golem prend énormément de place. Allez, c'est parti, go, 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 go. Plus vite, plus vite, plus vite. Et regardez, là, on va plus rire. Bonjour. on vous attend. Voilà, je crois que c'est ce que ça signifie, en fait. On vous attend. Comme ça, vous voyez, ça marche très bien d'invoquer un golem. Et voilà, donc, mission terminée. D'après ce que je constate. Et du coup, les amis, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Alors, c'est une vidéo plutôt courte, bien évidemment, parce que j'ai d'autres choses à faire. Écoutez, j'ai un imprévu, voilà. Du coup, je vous laisse, les amis. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, les vacances, c'est fait pour se reposer, mais aussi pour apprendre. Allez, ciao, bye bye.